Bien, bien, bien. Le jour des temps. Enfin, depuis la nuit des temps. En tout cas, entre le jour des temps et la nuit des temps, moi je m'inscris à midi des temps. À l'époque, la folie avait une dent contre l'amour, car elle était victime de ses abus répétés. Par exemple, quand une femme rend visite à son homme quotidiennement, par amour, on dit que c'est la folie. Si une mère soliloque avec son bébé, au vite, la bébé, et quel ouan, combien vous levez, tcho, on t'a souhaité, dans mon chorambo, hein? Pour le bercer, on accuse la folie. Les membres de l'association d'amitié à laquelle ils appartenaient tous avaient joué une sacrée médiation pour faire taire le différend entre l'amour et la folie. Ah, ceci réussit. Pour donc célébrer cette réunion, la folie invita ses amis à prendre un café chez elle. Après le café, la folie proposa. Ah, on va jouer au cache-cache. Cache-cache? C'est quoi ça? Demanda la curiosité. Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à 100 et vous vous cachez. Et quand vous vous aurez caché, je vous chercherai. Et le premier que je trouverai sera le prochain à compter. Ah! Tout le monde accepta, sauf la peur et la paresse. Allez, on va compter, non? Un. Deux. Ah, la folie commença à compter. L'empressement se cacha le premier. Ah, n'importe où. La timidité, timide comme toujours, alla se cacher dans une touffe d'arbre. La joie courut au milieu du jardin. La tristesse, triste comme toujours, commença à pleurer. L'envie accompagna le triomphe et se cacha près de lui, derrière un rocher. Pendant que la folie continuait de compter, ses amis se cachaient, un à un, un à un. Un à un. Désespoir était désespéré de voir que folie était déjà à 99 et le 100, cria la folie. Je vais commencer par vous chercher. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et vous savez qui était la première découverte? Vous le savez? Ah, je vais vous le dire. C'était la curiosité. Elle était tellement curieuse qu'elle n'a pas pu s'empêcher de sortir de sa cachette pour voir qui serait le premier découvert. En regardant sur le côté, la folie vit le doute. Au-dessus d'une clôture, ne sachant pas de quel côté il serait le mieux caché. Ainsi de suite, elle découvrit la joie, la tristesse, la peur, la paresse, l'envie, le triomphe, désespoir. Quand ils étaient déjà tous réunis, la curiosité demanda. Mais où est donc l'amour? Personne ne l'avait vu. Bien, il y en a qui vivent, bien, Bourando et Fonvi. Ah, bien, la folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne. Elle chercha dans une rivière. Elle chercha au pied des rochers. Mais elle ne trouvait pas la folie. Elle ne trouvait pas l'amour. Cherchant de tous les côtés, la folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher parmi les branches. Lorsque, soudain, elle entendit un cri. C'était l'amour. C'était l'amour qui criait, car une épine lui avait crevé un œil. La folie ne savait plus quoi faire. Elle demanda ses excuses. Elle implora l'amour pour obtenir son pardon et alla jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours. La folie accepta donc. Aujourd'hui, l'amour accepta. L'amour accepta. Merci. Aujourd'hui,
Love is blind. And madness follows him forever. L'amour est aveugle. Et la folie l'accompagne pour toujours. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Oh, moi je t'aime comme ça. On voit sur son visage la paix et la sérénité. Et Morphe l'encourage à rester dans la félicité. Oh, oh, regarde l'enfant dormir. Oh, oh, regarde l'enfant grandir. Il rappelle à nous les grands que nous avons été des enfants et que pour être grand, il faut conserver son cœur d'enfant. Oh, regarde l'enfant grandir. Oh, regarde l'enfant sourire. On lit sur son visage rayonner la lumière du soleil. Et dans son entourage, tout s'illumine, oh, quelle merveille. Oh, regarde l'enfant sourire. Oh, regarde l'enfant partir. Oh, regarde l'enfant partir. Tu sais, tu peux me croire. Qu'il vienne d'ici ou d'ailleurs, il porte en lui l'espoir. Oui. Regardez-moi. Il naît. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est l'ambassadeur du Bénin. Vous souriez? Je ris. Mais saviez-vous que beaucoup sont hospitalisés? Beaucoup sont en prison. Si, si. Beaucoup sont morts. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes vivants, en bonne santé, libres. Alors, si tu es reconnaissant comme l'ambassadeur du Bénin que je suis, dis trois fois merci à ton Dieu. Thank you, yo, thank you, yo, thank you. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Ce n'est pas une prière universelle. C'est une prière individuelle. Hein? Lorsque vous criez comme ça, là, vous me perturbez, moi. Hein? Vous riez. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire, c'est la copine de l'autre. Elle a son mari, son ami, son copain. Maintenant, elle veut choisir moi comme choisissait le mot. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle m'a appelé et ils ont mis un bon et ils m'ont dit bon, on va attendre, on a des deux problèmes. Ni pour choisir les filets. Bon, mais il et il y a un haïton. Bon, il y a son yitié. Pévi, il y a un yimon. Pévi, béninois, pévi, béni. Bon, on a des sous. Et il y a ce crédit. Pévi, le pot. Oh, 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 300. Attendez, attendez. Peut-être. Et là, j'ai volé ça là-bas. Non. Elle a pris la petite sucrerie. Première bouteille. Deuxième bouteille. Troisième bouteille. Non, non. Ma chère, il faut changer la bouteille.
faut prendre Star ou bien Guinness. Elle dit, mon nom, mon amour, je t'aime, je vais continuer avec la petite bouteille. C'est sucré, hein? Elle dit, non, ça va. Elle a pris troisième bouteille, quatrième bouteille, cinquième bouteille, hein? Sixième bouteille. Ah, une grande allée, elle dit, c'est pas le moment, chérie, on va programmer. Elle dit, on va programmer. Nous avons combien de monde? Elle dit, a pris six bouteilles, elle dit, on va programmer. Et ça là, qui c'est ça? J'ai fait directement mon calcul. 300 fois 6, ça fait combien? Ça fait 1200, plus 400. Ça fait combien? Ça fait combien? 2200. J'ai appelé la servante. Servante, payée. La servante vient. Elle me remet une facture de 7700. Elle dit, ça veut dire quoi ça? Elle a pris quoi? Sucrerie, 300. 300 fois 6, ça le calcul. Plus 400, ça va combien? Individu. Elle dit non, non, c'est ça. Je dis jamais, je ne vais pas payer. Et la dame vient. Il y a une dame à côté, elle vient, elle dit, ah, monsieur, quel problème vous avez? Elle dit, mais, et toi, t'as fumé, elle dit, c'est votre dodo. Petite sucrerie, c'est pas 300 fois 6. Il dit non, monsieur, ah, ça là, c'est pas sucrerie, hein. Elle dit, c'est quoi alors? Elle dit, Desperado. C'est quoi Desperado? Tu dis ça là c'est cher. Ça là c'est 1200. Maintenant le problème maintenant vous ne savez pas. Je n'ai pas payé là-bas. Je suis venu ici. Maintenant est-ce qu'il faut payer ou bien il ne faut pas payer? Faut pas payer. Chers amis, vous allez me dire avant que je n'aille. Tout à l'heure.